Né le 24 mai 1923 à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, Henri Désiré Play débute dès l'âge de 5 ou 6 ans la boxe française ainsi que l'escrime avec son père Achille Play. Véritable maître d'armes, il avait commencé la pratique de la savate et de l'escrime lors de son service militaire en 1912. Très rare pour l'époque, Achille Play était également bachelier, mais ses études furent interrompues en raison de la Première Guerre mondiale. Henri découvra les arts martiaux vers l'âge de 10 ans par le jujutsu, puisqu'à cet âge, il apprend quelques rudiments de cet art martial japonais dans le groupe ésotérique de son père avec un japonais nommé Oki. Le groupe d'Achille s'intéressait également à différentes sciences comme le magnétisme, la radiesthésie où il était un expert, mais aussi en psychologie. Henri Play rentrera véritablement dans le monde des arts martiaux bien plus tard. Durant la guerre, plus exactement en 1940, ses parents et lui fuirent à Toulouse. Il s'inscrit alors à la fac de médecine mais se dirige un an et demi plus tard aux Beaux-Arts, où il remportera le prix de sélection pour le prix de Rome de sculpture. En 1944, à l'âge de 21 ans, il participe à la résistance et intervient dans une filière d'extraction vers l'Espagne. Mais malheureusement, il sera arrêté par la Gestapo en juin au col d'Aspet. Il subira des interrogatoires et même des simulacres d'exécution. Interné à la prison Saint-Michel, puis à la caserne Caffarelli pour être déporté, il recevra même un coup de baïonnette. Henri sera sauvé par le débarquement mais aura perdu plus de 20 kilos. Durant son parcours, il s'intéresse et s'entraîne également aux agrès, au poids et halter et à l'haltérophilie, qu'il pratiquera durant 3 ans et finira même demi-finaliste du championnat du Sud-Ouest. Athlète toute sa jeunesse, Henri Play a alors envie de faire autre chose et se tourne donc vers le judo en 1944 et s'inscrit donc dans le deuxième club de Kawashi Sensei, le Judo Club de France, dans le 5e arrondissement. S'entraînant assidûment, il deviendra la 96e ceinture noire de judo et participera durant 15 ans aux compétitions. Il ira jusqu'au 5e dan où lors de ce passage de grade, il projettera deux membres de l'équipe de France avec sa projection favorite, le Tomoe Nage. Malgré sa passion pour le judo, Henri Play aime les techniques de frappe et s'inscrit donc en 1946 au club Banville, un club de boxe, où il pratiquera avec Pierre Blasé, Pierre Baruzzi et Caisson. Écoutez-vous, regarde. Regarde. Ah, je suis fort là. Voilà. Très bien. Et voilà. Vous savez, je suis monté 200 fois sur le ring, non, ben, avant la guerre, oui. J'y suis encore. J'ai fait 40 combats homologués, j'ai jamais été battu parce que... Parce que les circonstances l'ont permis. Mais j'ai fait mon dernier combat, j'avais 72 ans. En 1948, il décide de faire l'annuaire du judo où il recense tous les clubs et licenciés de France et publie tout ça à ses frais. Bien plus qu'un annuaire, celui-ci comportait une partie technique mais aussi historique concernant le judo. Il fera une deuxième édition de l'annuaire du judo en 1950 et la partie historique et technique sera beaucoup plus importante, avec pour la première fois une planche de points vitaux, ainsi que les dessins zen du dressage de la vache, dessins qu'Henri Play parlera de façon plus approfondie bien plus tard dans ses chroniques. Et c'est cette deuxième édition qui le fera connaître dans le monde entier. À sa sortie, il reçoit de nombreuses lettres pour savoir où acheter des judogis. Il décidera donc d'en apporter, puis fera venir directement sur le territoire des machines à fabriquer des tatamis. En plus de cet annuaire, il décide de 1950 à 1973 d'éditer une revue en bilingue français-anglais Judo Kodokan, traduction de la revue japonaise du Kodokan de Tokyo. Par la même occasion, il se lie d'amitié avec Lisei Kano, le fils du fondateur du judo. Cette revue fut la première en Europe sur les arts martiaux. En plus de s'entraîner sous la direction de Kawashi Mikinosuke Sensei en personne, dont tous ses kyu et dan de judo ont été signés ou confirmés par le maître Kawashi, il côtoyait également de grands noms du judo, comme par exemple Moshe Feldenkrais, qui reçut son premier dan en 1934 par Jigoro Kano lui-même. Il est également le fondateur de la méthode Feldenkrais.
Il côtoya également E.J. Harrison, le tout premier étranger à recevoir la ceinture noire des mains de Jigoro Kano. Le 25 octobre 1948, Life Magazine publie un article sur le karaté intitulé « Gentleman Sport ». En photo, on y voit deux karatékas de l'université de Waseda, Gojuro Harada et Hiroshi Kamata. Cet article sera décisif pour Henry Blay. Il est tout de suite séduit par cet art et par le fait qu'on pouvait porter des coups, ce qui lui a toujours manqué au judo. C'est avec l'aide de son traducteur des revues Judo Kodokan, Fukuda Likutalo, qui était premier dan de karaté, et avec des livres japonais qu'Henry Blay commença le karaté. Un de mes correspondants m'a envoyé Life, où il y avait des photos. Alors je lui dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors il me dit, bah, c'est du karaté. Je lui dis, mais ça m'intéresse. Alors il m'a expliqué, on peut tout faire. Alors ça m'avait ravi. Je me disais, comment on peut projeter, frapper, étrangler, on peut faire ce qu'on veut. Il m'a dit, oui, théoriquement. En France, décembre 1953, une compétition de judo opposa la France et les USA. Et c'est là qu'il fera la rencontre de Don Draeger, personnalité importante dans sa pratique du karaté. Don Draeger était colonel dans l'armée américaine, mais Henry Blay a toujours pensé qu'il faisait partie de la CIA. Il était le plus haut gradé non-japonais en judo, en karaté, en yaïdo et en bien d'autres disciplines. Il a été le premier occidental à enseigner au Kodokan, ainsi que le premier pratiquant non-japonais de la Katori Shinto Ryu. Il est donc l'un des pionniers des arts martiaux japonais en Occident. Le soir de la compétition, Don Draeger et son équipe ne savaient pas où aller, alors Henry Blay décida de les inviter au restaurant, et ils dormiront même chez lui. Il les invita également à voir les cours de karaté qu'il dispensait. Il est venu me voir, et il m'a dit « Ah bon, c'est la boxe française que vous faites ?» J'ai dit « Non, c'est karaté. » Il me dit « Mais c'est pas ça le karaté. » J'ai dit « Ah bon, bah. » Il me dit « Je vais vous envoyer le film. » Ce film de 8 mm, réalisé par Don Draeger en 1946, montre l'école de karaté de l'université de Waseda, réalisant une démonstration pour le général MacArthur, afin que le karaté ne soit plus interdit par les forces d'occupation américaines. Avec ce film et une visionneuse, on a essayé de copier et de faire pareil. Alors on copiait ce qu'il y avait sur le film pour la moitié de la leçon et l'autre moitié on se rentrait dedans. En 1952, malgré son emploi du temps chargé, Henry Blay se mit à enseigner et il utilisa le film donné par Don Draeger pour son enseignement. Au début, Henry Blay enseignait uniquement en Akama noir, car il tenait pas du tout à ce que l'on confonde le judo et le karaté. Puisqu'à cette époque, le karaté était totalement inconnu en France et même en Europe. Et contrairement au judo, le karaté au début ne rencontre pas un accueil des plus chaleureux, loin de là. Critiqué par de nombreuses personnes, dont des judokas, qui eux voyaient en lui un concurrent menaçant quand ils le prenaient au sérieux. Certains pensaient même que cela était une pure invention de sa part, et appelaient ça avec ironie le karaplé. En mars 1955, la Fédération Française de Boxe Libre et de Karaté voit le jour. A l'époque, elle est la toute première fédération de karaté au monde. En tant que précurseur de cet art, Henry Blay en est alors le secrétaire général, le président étant le préfet Sirvan, qui est un ami et élève. Pendant ce temps-là, Henry continue de promouvoir sa passion et placarde à tout Paris d'affiches sur le karaté, le vendant comme l'art martial le plus efficace. Ce qui attira même plusieurs personnes à vérifier si cela était vrai. Et Henry Blay devra faire face à plusieurs duels. C'était des catcheurs qui venaient des montagnes, hein, parce que je leur cassais la baraque, je prétendais qu'on était supérieur à tout. Alors je faisais des
comédie, c'est-à-dire je leur disais, bon, vous venez me défier, il faut me signer un papier pour le cas où je vous tuerai, que je vous crève les yeux ou des trucs comme ça. Alors il y en avait qui disaient, oh bon, non, c'est, si c'est pour faire l'idiot comme ça, non. Je disais, oui, mais nous, c'est un art martial, hein, c'est fait pour... Et puis il y en a d'autres qui disaient, bon, d'accord. J'ai eu beaucoup de chance. Mais après, au troisième défi que j'ai gagné, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, il faut que je fasse venir des Japonais. Et donc en 1956, Henri Play fait venir le premier expert japonais. Cet expert n'est d'autre que Hiro Mochizuki. Il n'a que 17 ans à l'époque. Au total, Henri Play fera venir plus d'une trentaine d'experts japonais et tout cela à ses frais. Henri, lui, ira pour la première fois au Japon en 1959. Avec la possibilité de filmer tout ce qu'il voit. En effet, il emporte avec lui une lettre de la Cinémathèque française, lui demandant de filmer les différents styles de karaté. Aidé également par Don Draeger, il va pousser les portes des dojos de Shotokan, Shitoryu, Wadoryu, Goju-ryu et Shotokai, et va également rencontrer différents maîtres de l'ombre, inconnus du grand public. Durant son séjour, il perdra 15 kilos car il va pratiquer dans chaque dojo, sauf en Shotokai. En 1960, malgré que le karaté rejoint les rangs de la Fédération Française de Judo et de Disciplines Associées, Henri Play continue de développer le karaté partout en France et en Europe. En 1961, on comptait 190 licenciés, dont 20 ceintures noires. A partir de là, le karaté va voir ses effectifs grimper régulièrement en France comme en Europe. L'image fixe va nous permettre de voir nettement le contrôle des coups donnés. Le geste est arrêté à moins de 2 cm du visage de l'adversaire. Les coups de pied ou de poing sont donnés avec une extrême rapidité et leur arrêt exige une grande maîtrise de soi. C'est ce qui fait que le karaté est une école de volonté et de sang-froid. Au printemps 1963, il reçut une demande surprenante. Un Français, membre des services secrets d'un pays étranger, lui demande qu'il le forme en un mois à un niveau de 3e dan de karaté et de judo. En échange à cet entraînement intensif, il fait don à Henri Play d'une de ses villas à Saint-Raphaël. Et c'est là-bas qu'Henri Play donnera une quinzaine de stages d'été. Les élèves proches étaient logés dans la Casita, les stagiaires dans la Soledad. La villa se trouvait dans le quartier Rebori de Saint-Raphaël. Coïncidence ? Cette villa sur 2 étages, avec un grand terrain, eut comme locataire Yves Le Prieur, le premier français gradé en 1906 par Jigoro Kano en personne. Il fit même une traduction du célèbre livre Judo Kano par Yokohama Sakujiro qu'Henri Play acheta vers ses 15 ans. Malgré que nous sommes à la jeunesse du karaté européen, l'année 1966 devient une date importante dans l'histoire du karaté européen, puisque c'est l'année de création de l'Union Européenne de Karaté et des premiers championnats d'Europe. Les premiers championnats de France, eux, datent de 1962. Cela prouve à tous les détracteurs que le karaté est bien en train de faire sa place en France, mais également en Europe. Durant toutes ces années, Henri continue de faire venir des maîtres dont certains ont laissé une empreinte importante dans l'histoire du karaté français et européen, comme Hiro Mochizuki, Yoshinao Nambu, mais aussi Teiji Kaze, qui arriva à Lyon en France en août 1967 pour un stage d'été à Saint-Raphaël. En fait, Henri Play attendait le maître Shirai, qu'il avait contacté par le biais de la fédération italienne. Mais c'est Teiji Kaze qu'il voit arriver à sa place, avec une lettre d'excuse de Shirai. Sur le moment, Henri Play fut déçu car il connaissait Kaze par le petit ouvrage Marabout Flash, le karaté, et ses photos ne l'avaient pas convaincu. Il changera rapidement d'avis et le maître Kaze enseignera au dojo d'Henri Play à la montagne Sainte-Geneviève durant 5 ans. Chef instructeur en France pour la JKA et responsable de la JKA Europe, il formera de nombreux élèves et conduira ses équipes aux divers championnats de France, d'Europe et même du monde organisés par la JKA. En 1968, Henri Play fait une apparition dans le film de Claude Lelouch, La vie, l'amour, la mort, où les scènes d'entraînement sont tournées dans son propre dojo. On peut également y voir le maître Kaze. Kenji Tokitsu, alors 3e Dan Shotokan, arrive en 1971 en tant qu'assistant de Kaze-sensei. En 1973, Kaze-sensei conduira la première équipe de France Kata, composée d'Ami Damiche, Gérald Dumont, Marcel Lancino, Camille Daudier.
Kaze-sensei quitte le dojo d'Henri Play en 1972 pour se consacrer à l'enseignement du karaté-do Shotokan Ryu, Kazea, sa propre vision de l'art. Teiji Kaze-sensei meurt à l'âge de 75 ans le 24 novembre 2004. Il était un maître apprécié de tous et son enseignement continue d'influencer de nombreux pratiquants. Parmi les maîtres qui ont marqué le karaté d'Henri Play, il y a également Ogura Tsuneyoshi, qui fut un maître important dans son parcours martial. Il viendra en France pour la première fois en 1972. D'origine okinawaïenne par sa mère et descendant de Shingen Takeda, un célèbre samouraï, Ogura Sensei fut un grand maître martial et côtoya de grands noms des arts martiaux tels que Gishin Funakoshi, Shoshin Shibana, surnommé le dernier guerrier de Shuri, Shotoku Kyan, le fondateur du Wado Ryu Ilonori Otsuka, Yamaguchi Gogen, ainsi que Makoto Gima, qui transmit à Tsuneyoshi de nombreuses formes antiques de kata, ainsi que leur application martiale, énergétique et thérapeutique. Ogura Sensei avait une vision large des arts martiaux, puisqu'il a également étudié le ninjutsu de l'école Kogaleyu avec Seigo Fujita, le Taishi Shuan de l'école Yang avec un élève de Shen Mangshin, ainsi que le Kendo et le Yaido de l'école Omoriliyu avec Nakayama Akudo. Il était détenteur d'un exemplaire du célèbre Bubishi, un livre ancien sur le Todé, et d'une partie des archives personnelles de Genwa Mabuni du Shito Ryu. Sensei Ogura était également prêtre Shinto et initié au Shingon, un bouddhisme ésotérique, mais était aussi un Yamabushi, un moine des montagnes, puisqu'il pratiqua le Shugendo et s'était retiré une dizaine d'années dans les montagnes avec comme camarade de pratique le célèbre Gogen Yamaguchi du Gojo Ryu. Ce dernier décernera le titre de Shian à Maître Ogura. Ami avec les plus grands maîtres de karaté, il était l'un des tout derniers dépositaires vivants des sources uniques, écrites et orales concernant le développement historique et technique de l'art de la main au sens large. Il fonda en 1944 à Gufu le Genbunkai Karate-do et Kobudo, dont le Honbu Dojo et le Genbunkan, situés à Gufu. Ogura Sensei remettra de ses mains les derniers grades d'Henri Play, donc le 8e Dan en 1972, lors de sa première visite en France. A l'époque, Henri fut le premier Européen à se voir décerner un si haut grade. A la même occasion, Ogura Sensei baptisa le dojo de la montagne Sainte-Geneviève le Shobukan. Ce jour-là, il réalisera une cérémonie religieuse Shinto dans le dojo pour sa bénédiction ainsi que celle de l'autel. Mais il a également exécuté différents kata et beaucoup de choses furent démontrées en Kobudo. Il lui remettra également le 9e Dan lors de ses 40 ans de pratique du karaté le 26 mars 1986, où il demandera 15 minutes de zazen suivi de Tekisho Dan à l'envers. Et pour finir, le 10e Dan. Et Ogura Sensei dira même à Henri Play qu'il avait fait pour l'Europe le même travail que Funakoshi pour le Japon. Ogura Tsuneyoshi eut également comme disciple français le maître Roland Bersetzer, à qui il lui décernera tous ses grades à partir du 5e Dan jusqu'au 9e Dan, avec les titres de Shian, Kyoshi, Hanshi et Soke de sa propre voix, la Tengu no Michi. Il est aussi le maître Pierre Portocarrero, 8e Dan Shian, représentant du Genbunkan Todeiryu pour la France. Ogura Sensei nous quitta le jeudi 3 mai 2017 à Gofu, au Japon. Il eut deux fils qui ont repris sa succession, Isanori et Hirotsune. Henri Play fut également l'élève de Carlo Sazagra, auteur du livre Kung Fu Tse, qui fut publié et préfacé en 1975 par Henri Play, savant atomiste chilien, descendant d'une famille noble du village d'Albacaracín en Espagne. Carlo Sazagra enseigna de nombreuses techniques et principes profonds à Henri Play. Il fut, semble-t-il, l'un des conseillers techniques sur la série Kung Fu lors des 20 premiers épisodes, mais aussi sur le film Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. Après être resté quelque temps en France dans les années 70, il partira s'installer aux États-Unis. Durant son parcours sur la voie martiale, Henri Play rencontrera également de nombreux maîtres de l'ombre, appelés Kage Shian. Vers le printemps 1961, il va recevoir une curieuse visite. Un élève de Yueshiba Sensei vient dans son dojo pour lui apprendre le véritable Aiki, et il est également gradé en karaté. Henri ne le connaît pas, mais il voit que ce japonais est d'une grande valeur technique. Il repartira sans rien dire de plus, sans se présenter, et Henri ne le reverra jamais. Était-il un Kage Shian ? En 1986, Maître Henri Play crée l'Académie française des arts martiaux traditionnels. Les membres fondateurs à ses côtés sont André Noquet, Alain Floquet, Gérard Baron, Michel Soulanc, Thierry Rissier-Nadal, Thierry Play, Pascal Play et Georges Charles, qui est également secrétaire de l'Académie. Après plusieurs années, pour différentes raisons, l'Académie cessera son activité. En plus d'être un spécialiste sur le karaté,
Henry Play avait une vision globale des arts martiaux et s'est donc tout naturellement intéressé à l'aïkido où il était 3e dan, au kendo où il était 1er dan, mais aussi aux arts chinois où il fera venir un des plus grands maîtres dans ces arts, le maître Yan Zhuingming. Et son fils, Pascal, deviendra même son représentant en France durant de nombreuses années. Il s'intéressa donc à de nombreuses disciplines martiales, telles que le ninjutsu, au kyushojutsu, où il a même écrit 2 livres de référence. Véritable chercheur, il ne négligera aucune piste et restera ouvert sur toutes les disciplines. Ainsi, il nouera des relations amicales avec le maître Deshimalo, pionnier du zen en France. Il essaiera le kudo, l'acupuncture, et il fut même traité par le pionnier de la discipline en France, Georges Soulier de Moran. Il s'intéressera également, initié par son père, à des groupes de recherche spirituelle comme par exemple le célèbre Gurdjieff ou bien encore le soufisme. Henry Play pratiquera alors tous les aspects du karaté et des arts martiaux et travaillera donc autant l'aspect technique que mental et spirituel. Mais les arts martiaux vous sanctionnent tout de suite quand vous êtes dans l'illusion parce que on s'illusionne, mais quand vous êtes projeté par exemple en judo, bon, vous savez à ce moment-là que vous ne tenez pas debout. Mais on peut, par un travail sur soi-même, enlever ce qui vous empêchait d'être, ce qui vous empêche de retrouver votre propre essence. Et ça, c'est plus facile, à mon sens, avec l'art martial qu'autrement. Par le biais de son magazine Budo, seul magazine en France à l'époque sur les arts martiaux, Henry Play est également le pionnier du manga en France. C'est vers les années 60 qu'il ramènera une centaine de mangas, où ses planches relataient des histoires de samouraïs et de ronin. Son premier livre sortira en 1955. Suivi en 1957 par l'ABC du karaté. Puis, en 1958, par le karaté en images, et fut immédiatement un best-seller. Écrit avec son savoir du moment, il disait pourtant des choses essentielles pour la maîtrise de l'art, mais reconnaissait avec humilité qu'il ne maîtrisait pas à ce moment-là la totalité de ce qu'il décrivait. Malgré ses larges connaissances et profondes sur les arts martiaux, Henry Play écrira peu de livres, mais écrira juste, et la plupart de ses livres seront un succès. Par contre, il écrira de nombreuses chroniques dans diverses revues, telles que Budo Magazine, Bushido, Ippon, Le Ronin, Budo International, Art et Combat, Dragon, et bien d'autres. Avec une sincérité et un humour qui rendaient son texte attachant, Henry Play écrira sa première chronique en janvier 1959 dans Le Chasseur français. Et depuis 1988 et le numéro 150, Henry Play avait créé avec Karate Bushido un rendez-vous mensuel pour tous les passionnés de recherche sur l'art martial authentique grâce à ses chroniques martiales. Dans les années 70, Maître Henry Play a été le consultant éditeur pour le magazine Martial Art International numéro 1 de janvier 1974, dont le directeur technique était Don Draeger. Il réalisera de nombreuses préfaces dans des livres d'amis et d'élèves, et éditera également de nombreux livres. Pour tout ce qu'il a fait pour le karaté français et pour les arts martiaux français en général, Henry Play est le président d'honneur de la Fédération française de karaté et arts martiaux associés, de l'Union européenne de karaté, ainsi que de la Fédération française de judo et disciplines associées. Il reçut également de nombreuses récompenses et distinctions pour son implication dans le monde des arts martiaux. Il a été nommé au Hall of Fame Kyusho International en 2006 comme ambassadeur martial art, chevalier dans l'Ordre national du mérite en 2008, médaillé d'or de la jeunesse et des sports, et a même été nommé en 1999 le Sensei du siècle. C'est la justice que les lecteurs de Karate Bushido l'ont élu professeur du siècle. J'ai nommé Maître Henry Play. Et voici donc le professeur du siècle élu parmi 33 professeurs, Maître Henry Play, père du karaté en Europe. Oui, Henry Play, c'est un personnage. Il continue à être un personnage car il prend la parole de temps en temps dans les chroniques fameuses. Il a écrit, c'est le pionnier du karaté, il a aussi pratiqué la boxe française, le judo, il faisait partie des premiers groupes de judoka des origines en France. Et c'est une figure
absolument incontournable des arts martiaux. Ouais. Une haie d'honneur pour Henri Play, était nominé pour le karaté Taiji Kaz, Serge Chouraki, pour le taekwondo Claude Jurka, Lee Kwan Myung que l'on a vu tout à l'heure, Lee Yong Seon, pour le judo Henri Courtine, Bernard Parizet, Patrick Vial, pour l'aïkido André Nokke dont on a vu l'hommage tout à l'heure, Nobo Kyoshu Tamura, Christian Tissier pour l'aïkido, la boxe française avec Hervé Bruandet, Sot Mezach et Bob Alix, pardon, le kickboxing avec avec Richard Dieu, Yann Pla et Kenji Kurosaki, la boxe américaine avec Dominique Valera, Daniel Runson et Eric Leclerc, la boxe thaï avec Roger Pachy que l'on a vu tout à l'heure, Gilles Belloni, Tom Harink, les arts vietnamiens avec Nguyen Dan Phu, Cho Phan Tang, Maître Cho, donc Phan Phan Tang, le jiu-jitsu avec Roland Hernaez, Eric Parizet, Christian Derbal et enfin le kung-fu avec Wang Nam, Dan Schwartz et Yang Zumu. Voilà, il fallait tous les citer et c'est donc Henri Play qui a été choisi par les lecteurs. On va l'écouter. Il paraît que j'ai été et que je suis le sensei du siècle. C'est un petit peu surprenant, mais c'est relatif, et j'accepte volontiers. Je veux rectifier mon âge, je m'approche des 80, et non pas de 73. Bien conservé, hein, c'est vraiment un grand personnage. Et alors, il a pris sur la fin de sa carrière de grand professeur, il a pris la parole. Il a vraiment modifié le regard des pratiquants sur les arts martiaux dont il est un connaisseur émérite. Une grande personnalité. Qui va faire son dernier stage, entre parenthèses, son dernier stage qu'il ne faut pas manquer, de karaté, mais aussi de connaissances martiales dans les semaines à venir, je crois bien. On peut le retrouver au 34 rue de la Montagne Sainte-Geneviève, dans son fief, qui est le foyer, le centre des arts martiaux pratiquement d'Europe. Où il a son club et son centre consacré aux arts martiaux. Il reçoit également le 27 mars 2010 le katana d'honneur lors du Festival des arts martiaux à Paris-Bercy. Maître Henri Play est également membre du Conseil des sages du FIPAM, Fonds international pour la préservation des arts martiaux, créé à l'initiative de son fils Thierry Play. En tant que pionnier du karaté en France, son dojo, le dojo de la montagne Sainte-Geneviève, sera le premier dojo de karaté hors Japon, à l'exception des États-Unis, mais aussi le premier d'Europe à enseigner pour une seule et même cotisation plusieurs disciplines, judo, karaté, kobudo, kendo, kan et boxe française. Situé au 34 rue de la montagne Sainte-Geneviève dans le 5e arrondissement de Paris, plus précisément dans le quartier latin tout près du Panthéon. C'est en 1953 qu'Henri Play fondera son dojo dans cet ancien séminaire catholique, classé monument historique. Son premier dojo, ouvert en 1951, lui était situé rue de Tournon. Construit en 1640 grâce à la donation d'Anne d'Autriche, brûlé en partie, il est alors reconstruit et rehaussé vers 1680, avec une donation cette fois-ci du duc d'Orléans, frère de Louis XIV. En 1789, le bâtiment est vendu et réhabilité en logements, bureaux et locaux d'artisans. C'est dans ce lieu historique qu'il semble que la photo en couleur sur plaque a été inventée. Quand le maître Henri Play s'y installe, le bâtiment était alors une menuiserie et la cour 34 était un lieu d'artisans, ainsi que d'appartements à loyer modéré. Au premier étage, Henri installe alors Judo International qui deviendra plus tard Budo Store. Judo International fut le premier magasin d'arts martiaux en France, et de 1948 à 1958, le seul au monde à effectuer de la vente par correspondance partout dans le monde. Au deuxième étage, ses autres sociétés. Et enfin au rez-de-chaussée, le dojo. Quelques années plus tard, le bâtiment subira deux incendies suite à des mégots et à des installations électriques défectueuses, ce qui provoquera la perte de certains documents. A noter pour ceux qui les ont connus, que le dojo 2 avec tatami uniformisé par une grande bâche pour l'enseignement de l'aïkido et du judo, contenant aussi la salle de musculation,
et le Dojo 3, le dojo de famille, avec le mon sur le mur et le matériel vidéo, n'existe malheureusement plus aujourd'hui. À partir de 1955, par respect pour la tradition, il organise chaque année, le 15 janvier dans son dojo, le Kagami Bilaki, la cérémonie traditionnelle du Nouvel An. Pour l'occasion, il fait déguster à ses élèves sa spécialité, la soupe aux oignons. C'est dans ce dojo qu'Henri Play accueillera plus d'une trentaine d'experts japonais et chinois, et formera 32 champions de France, d'Europe et du monde, et enseignera des milliers d'élèves. Certains deviendront les maîtres de demain, tels que Dominique Valera, Jean-Pierre Lavorato, Albert Boudboul, Georges Charles, Roland Marotto, Thierry Rissier et bien d'autres. En juillet 1960, un futur grand nom des arts martiaux pousse à la porte de son dojo. Âgé alors de 18 ans, Roland Haber-Seltzer, après un échange de courriers, débarque à Paris pour pratiquer le karaté dans le berceau français de cette discipline, qu'il avait découvert en 1958. Henri lui dira la phrase devenue célèbre « C'est bien, mais c'est tout faux », après que Roland ait réalisé un kata Yan. La suite, on la connaît tous. Roland Haber-Seltzer deviendra un auteur reconnu, mais aussi un grand maître et fondateur du CRB, centre de recherche Budo, ainsi que du Tangouryu. Sa relation avec Henri Play lui permit d'être le rédacteur en chef de 1970 à 1973 de son Budo Magazine. Mais Henri Play n'a jamais ouvert ce dojo pour se faire de l'argent, comme certains pourraient le croire, mais pour avoir des partenaires d'entraînement pour progresser et continuer ses recherches sur le karaté, qu'il venait tout juste de découvrir. Moi, j'ai fait les arts martiaux pour mon plaisir, c'était pas mon job. Il est de nos jours un lieu incontournable pour tous les passionnés d'arts martiaux. En 1994, il décide de mettre en place des séminaires exceptionnels de transmission et de démystification concernant le karaté, mais aussi sur les arts martiaux en général. Le premier aura lieu le 30 avril et d'autres suivront. Des principes profonds y seront abordés. Les grands stages d'été ne se déroulent plus à Saint-Raphaël, mais à Penthrèse, en Bretagne. Le dernier se déroule du 11 au 16 juillet 1999 et il sera un stage unique qui marquera de nombreux participants, tous sélectionnés. 40 styles y seront présents aux côtés de ce maître unique. Des réunions de groupe vont alors suivre au dojo, puis à Noura. Il réalisera même au début des années 2000 un stage à Casablanca. Henri Play continue alors de transmettre par le biais de ses chroniques et participe à deux DVD. Un en 2012 sur Yongnam et le dernier en 2014 sur Jean-Pierre Lavorato, réalisé par Lionel Froidure. Ça sera son dernier interview filmé avant sa disparition le 19 août 2014. Ses chroniques continueront à paraître jusqu'au numéro 412 de Karaté Bushido de juin 2015. Il avait en effet l'habitude d'en envoyer plusieurs à l'avance à la rédaction. Henri Play est le pionnier du karaté et des arts martiaux en France et en Europe. Il est l'homme qui en a écrit l'histoire. Henri Play est le maître qui a ouvert la voie à de nombreux pratiquants qui ont suivi ses enseignements. À travers ses cours, ses stages, ses séminaires, ses chroniques, ses livres, ses lettres, chacun a pu écrire son histoire. Henri Play est un guide, un maître qui n'a jamais laissé une personne indifférente. Connu partout dans le monde, il a côtoyé les plus grands noms des arts martiaux. Sa vie, son parcours et son enseignement riche et exceptionnel pourraient être portés à l'écran. Inimitable, Henri Play est bien plus qu'un pionnier. Il est et restera un homme remarquable, le plus grand maître que la France ait eu.